Ce bain, c'est un lien entre la vie intra-utérine et la vie à l'extérieur. C'est une histoire de rencontre, c'est une histoire de disponibilité, de proximité, c'est plein de choses. Il n'y a pas forcément de mots pour expliquer ce qui se passe autour de bain. C'est un bain qui doit se vivre. On a l'habitude que tout soit protocolisé. Là, on est un petit peu dans le lâcher-prise, dans la créativité. Il faut favoriser cette émotion et il faut faire de ce moment quelque chose de magique. Dans notre pratique quotidienne, je dirais que c'est une petite parenthèse dans notre journée, un moment suspendu où là, on est témoin et acteur d'un instant magique et qui nous permet complètement de sortir de notre quotidien. Ça m'a surpris à quel point c'était touchant. Juste voir son bébé si apaisé, tout calme. Je pense que si je vais revoir les images, je vais de nouveau avoir les larmes aux yeux. Et... non, mais c'était vraiment beau. On a pu partager ces moments extraordinaires et qu'on n'oubliera jamais. Avec mon premier, le bain était un peu différent. C'était un bain normal et il y avait un petit moment où il était apaisé comme ça. Mais lui, sur la longueur en fait, de tout le bain, c'était impressionnant de voir quel point il était détendu et relax. C'est vraiment incroyable. L'apprentissage, la parentalité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis de très nombreuses années. On abrite à la clinique des Grangettes le centre Brazelton suisse. C'est une prise de conscience depuis toujours de ce lien affectif précoce à mettre en lumière pour que ses parents puissent se construire autour de cette parentalité-là. Et le bain thalasso arrivait finalement comme une évidence pour stopper un petit peu le temps et donner du temps à nos parents pour vivre un moment intime et un moment magique avec ce nouveau-né. Et aujourd'hui, c'est le thalasso bain, mais c'est plus largement que ça. C'est un travail avec les équipes de l'école bien-être pour développer aussi nos compétences en allaitement, le massage bébé. Donc, c'est toutes des valeurs de bienveillance, de bien-être, dans le but d'apporter à ses parents un moment exceptionnel. Tellement de choses se jouent dans cette parentalité qu'il faudrait sortir un petit peu de cet automatisme qu'on a depuis tant d'années et s'ouvrir à la création du lien maman, papa, bébé.